L'alarme vient de se déclencher à Winfield Hall. Votre père habite un grand château. Mon père possède un grand château. Et des relations haut placées. Oh, très haut placées, monsieur. Le Premier ministre est quelquefois venu y prendre le thé. Pas à ma connaissance, monsieur. Mais certains membres de la famille royale viennent passer fréquemment le week-end pour échapper aux mondanités. J'ai été prié de... Non, non, on m'a ordonné de vous octroyer un congé spécial. Je ne comprends pas, monsieur. Je vais vous expliquer, sergent Winfield. Votre père est, à ce qu'on m'a dit, un grand collectionneur. À vrai dire, c'est mon grand-père qui était un grand collectionneur. Il faisait partie des excentriques de l'époque victorienne. On m'a dit qu'il voyageait à d'autres chameaux... Épargnez-moi les détails, sergent. Est-ce que votre père a en sa possession une collection de pierres dures, très anciennes, de jade et inappréciables? C'est exact. Mais elles font partie du patrimoine pour échapper aux droits de succession. Elles ont été volées. Et votre père est, bien sûr, anxieux de les retrouver. J'estime, en ce qui me concerne, que ce cas relève de la brigade des objets d'art. Mais on ne m'a pas demandé mon avis. Donc, à vous de jouer. Et de jouer à quoi? Allez retrouver, sergent. Allez retrouver. Vous emmènerez avec vous ce maudit Yankee et veillez à ce qu'il garde son épée au fourreau. Je ne veux pas de plainte du palais royal. C'est encore loin? Non, on arrive. Les maisons sont toutes construites dans le même style. C'est vieillot, mais c'est joli. Elle remonte à la restauration. La restauration de quoi?
Tournez là-bas à droite. On jurerait un vrai château historique. Il est la propriété de la famille depuis 1245. 1245. Si j'avais vécu à cette époque, j'aurais peut-être été un chevalier en brillante armure. Si vous y aviez vécu, vous auriez été chargé de les astiquer. Oh, c'est amusant. Bonjour Isabelle. Henriette, pourquoi diable n'as-tu pas téléphoné? Je l'ai fait. Ah, tu es plus jolie que jamais, un peu pas mal cependant. L'air de Londres ne te vaut rien, tu devrais venir plus souvent. J'aimerais te poser des questions justement au sujet de cet horrible Américain, ce rustre, ce Dempsey que l'on t'a imposé. Lieutenant James Dempsey, Lord Winfield. Ravi de vous connaître, monsieur. J'espère que vous n'avez pas cru un seul instant que c'est à vous que je faisais allusion. Oh, grand Dieu, non. Mais l'un de vos compatriotes, un autre Dempsey, le boxeur. Vous savez bien. Vous ne m'y ressemblez pas du tout. Il m'appelait. Pourquoi ce domestique a-t-il pris nos valises? Et je l'en ai prié. Pourquoi? Parce que nous restons. Et pourquoi allez-vous rester? Je suis chez moi, ici. Vous êtes chez vous? Chez moi, oui. Et lui? C'est mon père. J'ai envie de vous tordre le cou. Le même système d'alarme qui protège les joyaux de la couronne. Ah oui, en effet. Rayon infrarouge, capteur de température, moquette piégée. Vous prenez toutes les précautions, monsieur. La collection a été considérée comme inestimable. Ah, et à ce point-là? 25 pièces de jade, monsieur Dempsey, pierre que les spécialistes appellent néphrites, toutes datant de la dynastie des Shang Yin. Autrement dit, très ancienne. C'est-à-dire? La dynastie des Shang Yin va de 1760 avant notre ère jusqu'au 12e siècle, toujours avant notre ère. Ah oui, ça fait vieux, ça. Ouh. 25 pièces, avez-vous dit? Ben, je comprends qu'il y ait de quoi tenter des cambrioleurs. Cette habileté à composer des cocktails et à manier le shaker pourrait me donner à penser que tous les Américains sont des piliers du bar. Il faut savoir tout faire dans la police. Il n'y a pas si longtemps, j'ai connu un sergent du yard, serveur au Nugget Club. Ah oui? Comment le voulez-vous, le martini? Sec, monsieur Dempsey. Très sec. Tu as dû avoir, avec l'enquête, bien du tourment, mais cela ne semble pas t'avoir tellement affecté. L'agitation générale, des policiers partout dans toutes les pièces, un remue-ménage permanent, la pagaille, relevant des empreintes partout, le chaos, quoi. Ils ont relevé, paraît-il, 33 types d'empreintes, dont 17 appartenaient, paraît-il, aux agents chargés de l'enquête. Non, papa. Et les 16 autres? Elles provenaient d'où? De moi-même, du domestique et de mes hôtes. Vos hôtes? Quels hôtes? Des invités pour le week-end. Combien? Oh, eh bien, 8 personnes en tout. Et ces invités sont encore au château? Naturellement. La police locale les a interrogés? Pendant des heures. On les a fouillés? Dans les moindres endroits. Est-ce que vous pourriez me dire qui sont ces hôtes? Charge-t'en, veux-tu? Mon secrétaire, Ernest Smith, en a la liste.
Allô, Nesmith, c'est Harriet. Mon père voudrait la liste des invités, apportez-la lui. Merci. Je suis très heureux de vous revoir. Bonjour, Nesmith. Milord, vous avez demandé la... Oh, pardon. Je ne savais pas que... Monsieur Gérald Nesmith, lieutenant Dempsey. Enchanté, monsieur. Vous avez demandé une copie de la liste des invités. La voici, Milord. Ce sera tout, Milord. Ce sera tout, Nesmith. Merci, Milord. Monsieur Dempsey. Mademoiselle Harriet. Décidément, ce garçon ne m'inspire aucune sympathie. Allons, allons. Ah, nous avons donc trois couples mariés, Biffin et Esmeralda, deux vieux amis. Elle, elle est un peu portée sur la bouteille, mais je les vois mal en cambrioleur. Ensuite, Selwyn et Prunella. Selwyn est arrivé en retard. Il présidait une commission à la Chambre des Lords. Et Prunella est venue avec un couple d'Américains. Arnold et Susie Sims. Selwyn avait rencontré Arnold, je ne sais plus en quelles circonstances. Il avait sympathisé et m'avait suggéré de l'inviter à une battue de faisan. Arnold est d'une race remarquable au fusil de chasse. Il fait mouche à 50 pas sur un écureuil. Il voulait probablement épater son invité ou son épouse. Reste donc... Deux. Oui. Francine Trafford. Et un attaché à l'ambassade de Chine, M. Qin Chen-Su. Ah, et à part son intérêt tout naturel pour les jades, je ne sais pas grand-chose de lui. Je me renseignerai sur lui demain. Il m'inquiète, cependant. Pourquoi? Je n'ai que sa parole sur son adresse à la chasse. Bravo, M. Chen. Le premier doublé pour vous. Vous voyez l'homme à la casquette, c'est M. Jessop, attendant du domaine. Je le croyais atteint d'une arthrose des vertèbres dorsales. Oh, il faudrait bien autre chose à Jessop pour qu'il se prive d'une battue de faisan. Il est courageux. Ou imprudent. Il a gagné la médaille militaire. Où ça? À la guerre de Corée. Ah, alors voilà. Quoi? La collection orientale. Qu'alliez-vous faire? J'allais tout bonnement tirer votre père.
Mais je me suis souvenu à temps que cette chasse n'était pas ouverte. Merci. Francine, combien avez-vous fait de pièces? Aucune, je les ai manquées. Il faut tenir compte du vent, ma chère, il faut toujours en tenir compte. C'est une question de pratique. Vous n'en manquez pas, que je sache. Oh, mais cela dépend aussi du gibier. Ah. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Elle ne manque pas de charme. J'en fais le suspect numéro un. C'est une amie de la famille? Disons, une servitude. Oh. Alors, belle journée, n'est-ce pas? Il portait plus d'intérêt aux invités qu'aux faisans. Et après? Écoute, Suzanne, je m'évertue à te dire qu'il faut se méfier de lui. Garde pour toi tes avertissements. Je ne suis pas de bonne humeur. Penses-tu du secrétaire? C'est un type dangereux. Et tu veux peut-être dire qu'il n'a pas succombé à ton charme? Tu m'inquiètes beaucoup, Arnold. Tu sacrifies à ton physique le peu de cervelle que tu possèdes. Gerald Nesmith est capable de n'importe quoi. Que pensez-vous de la Chine et des Chinois, Monsieur Dempsey? Pour l'instant, je réserve mon opinion. Excusez-moi. Occupez-vous des invités. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez faire quoi? Eh bien, je vais surveiller de près... Oh, inutile de dire qui. Très bien. J'aimerais que nous parlions tout à l'heure. Pardon. Très réussi, monsieur. Merci. Merci. À la vôtre. Emportez ça, vous voulez? Comment trouvez-vous les Anglais? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça ne va pas? Ah, si, ça va. Et je ressens comme une torpeur. Je vais tomber. Non, attendez. Je peux faire quelque chose? Dites à Nesmith d'appeler le docteur Potter. Ça fait je ne sais combien d'années que je soigne votre père. Mais je n'ai jamais rien prescrit qui aurait pu provoquer pareille réaction. Autrement dit, il est drogué? C'est ma conclusion. Par une boisson, peut-être? C'est vous, le policier. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va s'en sortir? Le cœur bat d'un rythme irrégulier, mais ça se rétablira quand il sortira du coma. La tension est normale, mais je vous préviens tout de suite qu'il aura la langue épaisse et l'œil un peu vague quand il reprendra ses esprits. Surveillez-le bien, il lui faut de l'air. En cas de besoin, appelez-moi. Merci, docteur Potter. Laissez-nous seuls. Votre père a bu le verre de champagne qui m'était destiné à moi. Et maintenant, qu'allons-nous faire?
Attendre. Attendre quoi? Bah, que le voleur ou l'un de ses complices montre le bout de leur nez. Où en est la police locale? Ils ont placé des barrages moins de 4 minutes après l'alerte. C'est venu de l'intérieur, tout le laisse croire. Et je le crois aussi. Les Jade sont probablement encore ici. Ou dans le parc. Et Nesmith devient le suspect numéro 1. Voulez-vous qu'on voit ça de plus près? Non, pas encore. La balle est dans son camp. Attendons sa réaction. Excusez-nous, Harriet, mais nous sommes inquiets au sujet de Freddy. Comment est-il? Oh, il va mieux. Il dort profondément. Il est hors de danger. Oh, c'est merveilleux. Eh bien, bonne nuit. Nesmith s'entretient avec Francine. Nesmith s'entretient beaucoup. Collez votre oreille à la serrure. Je connais par cœur les bruits de cette maison. Chaque grincement, chaque craquement. Personne ne peut aller nulle part sans que je sache où. Ah, c'est très bien. Je ne me suis pas entraînée dans la jungle au Vietnam, mais j'ai l'oreille fine. Bah, vous aurez de quoi faire. Me parler? Oui, je suis vraiment très inquiète. Des somnifères? Oui. Et de la vodka? J'en ai toujours en voyage. Vous savez que le mélange est très dangereux. Oui, mais je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nesmith m'a dit que vous étiez de la police. Est-ce que Nesmith a quelque chose à voir là-dedans? Vous avez entendu? Vous devez avoir quelque chose à me dire. Eh bien, mon mari, Richard, s'occupait d'archéologie. Il voulait être connu, devenir une célébrité. Il le souhaitait désespérément. En employant au besoin des procédés malhonnêtes. Mais rien de tout cela ne transpirait de ses communications. Il parlait de merveilleuses découvertes qui allaient révolutionner l'archéologie. Il a contracté la typhoïde en Orient et il est mort. Lord Winfield m'avait accordé l'hospitalité à l'époque. Et Nesmith avait été extrêmement galant et prévenant à mon égard. Et vous avez eu une aventure? Oui. L'ambassade me renvoya les affaires de mon mari, son journal de voyage et ses notes. Tout y figurait. Et vous avez montré ces notes à Nesmith? Et il les a prises pour les mettre en sécurité. Enfin, disons pour vous faire chanter. Et maintenant? Maintenant, je ne sais plus. Non, je vous en prie, ne partez pas. Oh, j'ai très peur toute seule. Ne partez pas. Essayez de trouver le sommeil. Oh,
Vous m'avez été vraiment d'un très grand réconfort. Merci, monsieur Dempsey. Refermez bien votre porte. Oh, l'imbécile. Francine Trafford est morte. J'ai trouvé son corps qui flottait dans l'étang. Oh, mon Dieu. Vous avez vu quelque chose? Non, j'ai entendu des bruits, mais... j'ai rien vu. Je vais téléphoner à Speakings. Non, non, attendez. Pourquoi? Parce qu'il faut rendre visite à Nesmith. Où est sa chambre? Un moment, Dempsey. Je n'aime pas du tout vos façons de vouloir me donner des ordres ici, chez moi. Taisez-vous, vous allez réveiller tout le monde. Faut d'abord le décrocher. Ses manches sont mouillées. Il a de la boue sur ses chaussures. Et il a sur le visage des marques d'ongles. C'est lui qui a tué Francine Trafford. Il était encore plus compromis que je ne croyais. Celui qui l'a tué devait chercher quelque chose. Vous, vous allez vous mettre au travail en partant de l'idée qu'il a été dérangé avant de l'avoir trouvé. Si c'est le cas, je saurai quoi? Fouillez cette pièce et faites preuve d'imagination. Je n'oublierai pas de regarder sous le lit. Et sous les planches du parquet, et derrière le papier mural, et dans la cuvette des water. Vous êtes sous mes ordres, il me semble. Je le suis, hélas, c'est pour mon malheur. C'est peut-être sur le mort, fouillez-le lui aussi. Et si vous avez besoin de moi... Je vous trouverai où? En train de jouer au Mahjong. Monsieur Chen?
J'aurais juré que quelqu'un était entré dans cette chambre. Vous voyez que non. Vous avez trouvé quoi? Oh, rien. Seulement quelques papiers sans le moindre intérêt. Bon, vous avez fouillé partout? Oui. Et fouillé là-dedans aussi? Oui. Voulez-vous y aller tout doucement? Ce meuble fait partie du patrimoine familial depuis très longtemps. Mais oui, je sais, depuis la restauration. N'importe qui verrait tout de suite qu'il est de l'ère victorienne. Et n'importe quel policier verrait tout de suite que ceci est une pièce à conviction. J'allais justement regarder ce que c'est. Bah, voyons. Ce sont des copies de documents d'Interpol. Il y a des noms? Oui, Hoffman. Harold Hoffman. Ce nom ne me dit rien. Eh ben, contactez le fichier central. Et faites-le maintenant. Maintenant? Oui, c'est ça, maintenant. Mais ça ne va même pas me laisser le temps de... De quoi? Mais j'ai besoin de sommeil, lieutenant. Je suis comme tout le monde. Mon cher sergent, il fallait choisir un autre métier. Désolé de vous déranger, monsieur. Avez-vous quitté votre chambre cette nuit? Pour un temps assez bref. J'ai toujours du mal à dormir hors de chez moi. Deux personnes sont mortes cette nuit. Mortes? Oui, Francine Trafford et Gerald Nesmith. Victime d'un meurtre. Vous n'avez rien entendu? Non. À part le hurlement d'une chouette et le cri affreux de ce maudit paon, rien d'autre. Eh bien, bonne nuit. Si je puis vous être utile, monsieur, n'hésitez surtout pas. Pourrais-je vous faire une remarque, monsieur? Bien sûr. Votre livre? Oui. Vous le tenez à l'envers. Impénétrable. Il est sur la liste des suspects? Bien sûr. Et quoi de neuf avec ces notices de recherche d'Interpol? Rien, on travaille dessus. Oui, ben ça je m'en serais douté. Écoutez, Damsay, je vous ai envoyé ici pour récupérer des objets de collection de grande valeur et on se retrouve avec deux cadavres. Le vol et les meurtres... Mettons les choses au point. Êtes-vous en danger en tentant de récupérer les jades? Pour l'instant, les jades sont là-bas et moi, ce que je veux avoir, c'est le meurtrier, lui ou elle. Je peux vous faire confiance? Entièrement. Je vous ai apporté ce que vous avez demandé. Ce matin, je suis allé au commissariat local. Ils sont en pleine panique. Vous connaissez le dicton. À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, deux morts, ça suffit comme ça. On s'est compris? Oui, on s'est compris. Non, bah laissez. Non, je vous en prie. Alors, on pique une tête? Oui! L'eau est comment? Très bonne! C'est pas vrai, elle est froide. Et moi, c'est comme ça que je l'aime. Ma femme est une vraie sirène, Damsay. Mais si le cœur vous en dit... Non, 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 merci, je préfère la terre ferme. Je m'y sens plus en sécurité. Ah, mais quand je suis là, elle n'a rien à craindre. Ben, quand j'aurai envie de me baigner, je vous ferai signe. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il faudra faire si vous vous noyez dans l'étang? Vous prévenez ma mère. Allez, ma cagoule. Et je lui dirai quoi? Bon, je vous en prie, regagnez le château et appelez Speakings. D'accord. Vous l'aurez voulu. Et maintenant, mes palmes. Vous croyez qu'il est vraiment nécessaire de prendre ce risque? Mon masque. Vous pourriez avoir une petite pensée pour ceux que vous laissez derrière? Je vous en prie, sergent, fermez-la. Si vous n'êtes pas remonté dans... Harriet, le téléx vient de tomber. Hoffman est un alias. Il est très connu en Amérique où toutes les polices le recherchent. Il est connu là-bas en tant qu'Arnold Sims.
Arnold Sims? Tiens, tiens, tiens. Merci, je vais repêcher Dempsey. Ariane! Ne jouez pas les héros ou bien il va lui en cuire. Je suis désolée. Il m'a eu par surprise. Il s'appelle Hoffman. Je dois avouer, Dempsey, qu'elle m'a donné du mal. Telle que je la connais, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Videz le barillet de votre arme et jetez-la dans la cheminée. Au moindre mouvement suspect, elle subira le sort de qui vous savez. Vous pouvez me croire sur parole. Je vous fais confiance. Je vais enlever les balles. Je jette l'arme. Je veux voir les jades. Allongez-vous sur le sol, les bras en croix. Merci de m'avoir épargné la peine de vous tuer. Ça va? Hoffman! Je ne veux pas vous tuer. Je vous veux vivant. Thank you.
James, j'espère que vous viendrez nous voir bientôt, ne serait-ce que pour fuir l'air pollué de Londres. Mais volontiers, si mon travail m'en laisse le loisir. Au revoir, ma chérie. Au revoir, papa. Et prends bien soin de toi. Je reviendrai dès que je pourrai. Monsieur Dempsey, acceptez mes humbles excuses. J'ai commis une erreur à votre sujet. Oh, ça arrive. Je vous avoue préférer le jeu plus discret des citoyens britanniques à celui trop rude à mon gré des Américains. Bah, vous aussi, vous savez jouer dur. Les Jades vont repartir avec moi demain pour la Chine. C'est là qu'est leur place. Voyez-vous, monsieur Dempsey, nos gouvernements avaient conclu un accord avec leur Winfield pour restituer ces trésors à notre pays. Le malheur, c'est que monsieur Nesmith en entendit parler. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Allez, on rentre. Il va falloir reprendre le pli une fois de retour. Quel pli? Ah ben, faudra plus jouer les héritières. Faudra vous contenter de ce que vous aurez. Et qu'est-ce que j'aurai? Ben, votre traitement de fonctionnaire.